L'image d'un rêve brisé. L'océan était le plus fort et l'homme reste sur son bateau, assumant pathétiquement quelque chose qu'il considère comme normal. La fortune de mer, c'est peut-être aussi le vent qui, par miracle, se lève soudainement à la bouée de Basse-Terre. Alors le Renoir Guadeloupe se déploie, Bistock sans le record de Laurent Bourgnon à sa portée. Un régal de voir le grand trimaran blanc naviguant à près de 20 nœuds. Et puis soudain, c'est fini. Trop de vent, un trimaran sans pilote automatique qui ne répond plus. Incontrôlable, le Renoir Guadeloupe s'échoue tout près de Cap-Esterre. Claude sera secouru, mais son aventure se termine en drame. Le marin est vivant, le bateau, lui, sera englouti par les flots, mais l'homme restera vainqueur aux yeux de tous.